Allez, salut à tous, c'est MaFamily130 et bienvenue pour un nouveau mode discussion. Ici, ça va être une réaction à chaud. Je pars directement pour vous parler, vous avez vu dans le titre, vous parler de l'article de Claire Garlois. Au début, quand j'ai vu l'article, je pensais que c'était un add-on des Sims. Permis de sortie, permis de tuer, permis de geeker, permis de tout ce que vous voulez, je sais pas. Mais il y a une chose que je voudrais directement comprendre. C'est vraiment à chaud. Désolé si je vais pas bien m'exprimer tout ça, mais là c'est vraiment une réaction à chaud que je vais avoir. Parce que on en parle trop en fait, de ce truc. Juste, on en parle trop de ce truc. J'ai vu certaines vidéos qu'est-ce qu'elle a fait, que c'est honteux, etc., etc. Oui, c'est honteux. Mais justement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est lui donner du buzz à cette femme. C'est Claire Garlois. C'est vous lui donner du buzz. Grâce à vous, en fait, grâce ou à cause de vous, ne le prenez pas mal ce que je dis, mais vous faites la pub pour elle. Elle est contente, justement. Il y a des gens qui vont lire cet article, et puis ils vont lire les articles. Des gens plus curieux vont le lire encore, et ça va faire polémique ce truc. Déjà que ça le fait à cause que des paroles qu'elle a dit que les jeux rendent vidéo vi rendent violents, que ça fait que il y a des gens qui vont tuer les autres. Elle dit avec un jeune garçon qui a tué ses parents que ça à cause des jeux vidéo, etc. Qu'un psychiatre a dit ça. Mais bon, c'est des pures coïncidences parce que. Ok, je vais réagir quand même. Ça va peut-être être dur à avaler tout ça, mais. Les plus gros. Je vais rentrer dans l'histoire. Mais tous ceux qui ont fait des génocides ou qui ont tué pour le plaisir des milliers de gens, vous croyez qu'ils avaient déjà les jeux vidéo? Vous croyez qu'avant de jouer, de tuer tous ces gens sans hésitation, ils avaient joué à Call of Duty comme moi je suis là? Vous croyez vraiment? Ça, il faut bien que ça rentre dans la tête des politiciens, des journalistes et tout ça. C'est qu'avant ça, il y a eu quand même de la violence. C'est pas les nouvelles générations qui font nouvelle génération. Je veux dire que ce soit jeu ou une nouvelle, même à la télé, n'importe quoi. Avant, il y avait déjà du ça. Ça, c'est là, c'est côté psychologique. Si quelqu'un est malade dans sa tête, ça va faire que la réaction sera la même. Ça sera juste une excuse, les jeux vidéo. C'est une excuse qu'on donne pour donner une mauvaise image des jeux vidéo, justement. Parce que j'avais lu aussi que ça disait que. Un commentaire, justement, par rapport à cet article qui m'a. Ça, c'est le commentaire. J'avais retenu bien. Oh, c'est honteux ce qu'elle dit et tout ça. Il y en a un que j'ai bien retenu, c'est. Les jeux vidéo. Diminuer l'intelligence et tout ça rend idiot, un truc du genre. Quand j'ai lu ça, j'ai fait. D'accord, cette personne-là doit être. Excusez-moi du terme. Qu'est-ce que j'ai employé? C'est peut-être un frustré qui ne fait que lire de toute la journée, qui n'arrive même pas à s'amuser de sa journée. Je dis pas que les gens qui lisent ne savent pas s'amuser. Bien au contraire, ce que j'aime bien lire aussi, des fois. Je lis pas souvent, mais des fois je lis quand même. Et c'est pas pour ça que je joue pas aux jeux vidéo, regardez, je fais des vidéos sur Call of Duty Black Ops, attendez. Mais je suis quelqu'un de violent. Franchement, je suis quelqu'un de violent parce que je fais ça. Comme disait, comme j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo justement. Attendez, je vais, après avoir vu ça, j'ai acheté une arme pour tuer des animaux et des êtres humains. Ouais, je pense que je devrais faire la même chose. Faire ça et peut-être faire une petite partie de Call of Duty, mais en vrai, on devrait tous acheter un bateau et. On se fait un petit call of en vrai pour voir le dernier qui va suffire, enfin, un jour à la Battle Royale. Attendez les gens, c'est du grand n'importe quoi qu'on rentre là. Justement, les gens. Une chose que je voudrais vous dire, je sais pas si ça va être, cette vidéo, je vous la mettrai en entier, mais n'écoutez pas déjà ce qu'elle dit et ne lui faites pas du buzz. Arrêtez d'en parler. Ça ne fait que justement la valoriser. Comme on dit, ça peut être. Être n'importe quoi, mais justement, comme je vous ai déjà dit dans ma première vidéo, que je travaillais dans le domaine de l'enfance, et justement, ma prof c'est une psychologue, et justement, c'est à la même réaction qu'un enfant. Si vous le valorisez, elle va continuer ainsi. Plus vous valorisez une personne, que ce soit dans le bien ou dans le mal, et plus elle va continuer, elle va se sentir exister au fait. Cette femme-là, elle va se sentir exister. Avant de lire cet article, que je voulais même pas lire, mais c'est tellement qu'on en parlait. Je me disais, je la connais pas cette femme-là. Je la connaissais pas. Désolé si ça lague un petit peu, je lague un petit peu, c'est vrai. Pendant ce temps-là, je sais pas comment ça se fait. Mais enfin, soit on va revenir au truc. C'est que je la connaissais pas cette femme. Je voulais même pas connaître l'existence, etc. Mais malheureusement, on en parlait trop. Et je me suis dit, oh, il faut que j'en parle parce qu'on en parle trop en fait de cette femme.
C'est trop. Il faut arrêter d'en parler, tout ça. Il faut vraiment que vous arrêtez d'en parler. Ça va faire que la valoriser, cette femme. Voilà, c'était un petit message ainsi. Je vais pas vous mettre le gameplay en entier parce que c'est tout ce que j'avais à dire. C'était vraiment une réaction à chaud. Je vais me stopper même là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commencer cette vidéo. Désolé si elle était courte, mais c'était vraiment une réaction à chaud. Sur ce, à la prochaine. C'était Mafia 1130. Et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!